est à mi-parcours. Tout le monde a affronté tout le monde, ou presque. Certaines équipes ressortent déjà du lot, il y en a qui ont vraiment la patate. Il y a même des individus qui commencent à se faire remarquer pleinement. Je suis le plus à l'aise avec la classe de soutien. La classe sur laquelle je me sens le plus à l'aise, c'est médecin. C'est la base de Battlefield, c'est le teamplay. Donc la classe assaut, pour moi, l'incarne parfaitement. Moi, j'aime bien la classe ingénieur. Parce qu'un ingénieur, il apporte du soutien, il répare les véhicules. Sniper, parce que c'est une balle, je sais que la balle, elle va aller là, à cet endroit-là, c'est une balle dans la tête et c'est fini. T'avances, on court. On y va, venez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah écoute, là, on est en train de reprendre là, tranquillement là. Tranquillement? Ouais, tranquillement. Tu m'as l'air tranquille. De ce côté, on est un peu moins bavard, on est un peu plus concentré. Bon, comment tu t'en sors sinon? Je m'en sors toujours bien. Toujours bien. Et dans l'équipe, qu'est-ce que t'en penses? T'es avec des bons là? Il n'y a qu'une bonne équipe, là. C'est la nôtre. Ça va, concentré? Ah, c'est chaud là. Alors vas-y, fonce. Ça, c'est ce c'est bon, je suis derrière toi, c'est bon. Dans cette équipe, il y en a deux, trois qui commencent à sortir de l'eau. Et il y en a un en particulier, le petit là-bas, qui se débrouille vachement bien. Est-ce qu'il va garder la pression jusqu'au bout? Est-ce qu'il va marquer des points, surtout, pour gagner? On va le suivre. On va le suivre de près parce que lui, il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose. Pour l'instant, on a tout gagné et je pense que ça risque de continuer. On lâche rien. On lâche rien. Si vous êtes moins bon qu'avant, moins d'écart, peut-être que la prochaine partie... Allez, Vladislav! Messieurs, c'est la catastrophe. Ça fait deux parties que vous perdez. Bon, ça tombe bien, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai ramené des protéines du pays. Ok? Ce sont des petits insectes, c'est très bon. Je veux vous voir gagner là, je veux des vainqueurs là. Je veux des guerriers là. Bon appétit, ça a aussi de l'énergie, c'est des protéines ça. Je vous sens fatigué. Allez, c'est parti. Merci, bon appétit. Sergent. Oh bon. Je passe. Allez, on finit. On est des guerriers. C'est pas mauvais, on va dire. C'était la première fois. Et voilà, quoi. C'était sympa. Craquant, goûtu, mais pas vraiment appétissant. Donc on n'a pas goûté les petits insectes bizarres. Hein. Je veux pas goûter ça, je voulais pas perdre. Juste pour ça. C'est la dernière ligne droite, c'est maintenant ou jamais. Il faut tout donner. Bonne chance à vous. C'est-à-dire que tout va peut-être jouer sur cette partie, vous êtes confiant? Ouais. 150 points d'avance aussi. On va échouer. Qu'est-ce que tu dis, Mickaël? 150 points d'avance. Nous sommes en shortlist. Le jury a sélectionné 5 candidats, mais à la fin, il n'y en aura plus que 3. Et pour l'instant, bah, on attend. Ah ça y est, le jury a tranché. Allons voir les résultats. Le jury a fait son choix et il a choisi parmi vous 3 individus, 3 appelés. Le premier qui a été sélectionné, il a de loin fait le meilleur score de la journée. Il s'agit de Sylvain Camus. Un tonnerre d'applaudissements pour Sylvain. Quand on m'a annoncé le résultat, au niveau du jeu individuel, je me sentais bien. J'étais plutôt confiant, c'était plutôt au niveau de l'image. J'attendais pas à être parmi les 3. Le deuxième qui a été sélectionné aujourd'hui, il a peut-être un score un peu moins bon, mais il a été très charismatique. Il a été remarqué par toute l'équipe. Il s'agit de Jérôme Kevin. L'annonce des résultats, j'y croyais pas. Parce que j'ai joué. J'ai pas donné mon meilleur, mais j'ai joué. J'ai joué mon jeu. Et au final... Pow ! Comme ça, je suis content. Et le troisième qui a été sélectionné aujourd'hui, c'est un petit peu un mélange entre les deux. Quelqu'un d'à la fois cool, avec un bon relationnel. Quelqu'un qui a fait des bons scores aussi. Il s'agit de Sébastien Varsovie. Un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien. Bienvenue dans l'équipe de jeuxvideo.com, les garçons. Bravo à tous les 3. On peut les féliciter. De bout à bout, je ne pensais même pas que
j'aurais pu être ne serait-ce dans les potentiels gagnants. Parce que quand je voyais les autres équipes jouer, je voyais comment ils jouaient, je me disais, ça va être compliqué. Mais encore maintenant, j'ai encore du mal à croire que c'est entre mes mains. Le fun était là, l'esprit d'équipe était là. Et je pense que ce mine de rien, c'était quand même le plus important. Et je pense que cette journée, on va pas l'oublier de sitôt. Voici la team JVCOM, on est là. On va tout déchirer à Paris Games Week le 1er novembre. Hein les gars, Battlefield 4, All-Star!